Sur mes cahiers d'écolier, sur mon pupitre et les arbres, sur le sable, sur la neige, j'écris ton nom. Sur toutes les pages lues, sur toutes les pages blanches, pierre, sang, papier ou cendre, j'écris ton nom. Sur les images dorées, sur les armes des guerriers, sur la couronne des rois, j'écris ton nom. Sur la jungle et le désert, sur les nids, sur les genêts, sur l'écho de mon enfance, j'écris ton nom. Sur les merveilles des nuits, sur le pain blanc des journées, sur les saisons fiancées, j'écris ton nom. Sur les champs, sur l'horizon, sur les ailes des oiseaux et sur le moulin des ombres, j'écris ton nom. Sur mon chien gourmand et tendre, sur ses oreilles dressées, sur sa patte maladroite, j'écris ton nom. Sur le tremplin de ma porte, sur les objets familiers, sur le flot du feu béni, j'écris ton nom. Sur la vitre des surprises, sur les lèvres attentives, comme les vôtres, bien au-dessus du silence, j'écris ton nom. Et par le pouvoir d'un mot, je recommence ma vie. Je suis née pour te connaître, pour te nommer Liberté. Paul Éluard. Un référé au niveau de la République française, un référé Liberté, il aurait dû avoir une réponse dans les 48 heures. Finalement, la réponse n'est venue que 2 semaines après, ce qui équivalait à une suspension de ce référé. Donc finalement, il a entre guillemets changé son fusil d'épaule, il est allé directement à l'ONU, parce qu'en France, il y a un traité, le traité 55, qui dit que le droit international est supérieur au traité, enfin au droit français. Notre souveraineté, voilà. C'est notre liberté, non pas juridique et basée sur des textes, mais notre souveraineté inhérente à notre humanité. C'est le fait d'être dans le plein pouvoir de ce que l'on choisit pour nous, pour nos corps et pour nos esprits. Être souverain, c'est être véritablement libre. J'entends beaucoup dire « Oui, je suis vaccinée, je n'ai pas eu le choix. » Ces personnes-là, je les comprends et je les respecte. Surtout vu la propagande colossale qui a eu lieu. Mais elles abandonnent ainsi leur souveraineté. Il faut en prendre conscience et se réajuster d'urgence. Le choix existe réellement. Et si vous croyez ne pas avoir le choix, j'ai bien dit croyance, car le choix nous l'a. J'invite à une petite minute de silence pour réinfuser cette puissance en nous. Sur ces mots, à vous répéter dans vos têtes, dans vos cœurs et dans vos corps pour vous souvenir. Je les répète 3 fois avant le silence, pour que nous nous en imprégnions tous, afin de construire le monde de demain. Je suis un être libre, je suis un être souverain. Je suis un être libre, je suis un être souverain, je suis un être libre, je suis un être souverain. Nous sommes des êtres libres, nous sommes des êtres souverains. C'est l'ange de nuit, roi, il vous suit, marquant l'avance, le fatal moment, au firmament.
son nom est France ou Châtiment. Ainsi que nous voyons un mets des ailes stylées, voyez voguer aux nations dans ses rayons. Son bras aux cieux dressés ferme le noir passé et les portes de fer du sombre enfer. Ses anges de Dieu, dans le ciel bleu, son aile immense couvre avec fierté l'humanité. Son nom est France ou Liberté. Thank you.
Liberté de choisir. Liberté de soigner. 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 Liberté. S'il vous plaît. Ne laissez pas ces chaînes nous séparer, quand même. Allez-y, venez. Nous sommes réunis pour enterrer nos trois valeurs fondamentales. Et maintenant, c'est au tour de l'égalité. Mais comment peut-on enterrer une valeur ? Comment peut-on enterrer l'égalité alors qu'elle n'a jamais vu le jour ? Comment peut-on la mettre sous terre alors qu'elle n'existe pas ? Car quand je regarde autour de moi, quand je prends du temps pour observer la société, je ne vois que des inégalités. Des inégalités sociales, qu'elles soient salariales, qu'elles soient de richesse, qu'elles soient de sexe, ethno-raciales. Il y a tellement d'inégalités. Aujourd'hui encore, n'y a-t-il pas des femmes qui sont moins bien payées que les hommes alors qu'ils ont exactement le même poste et les mêmes compétences ? Aujourd'hui encore, n'y a-t-il pas des personnes qui se retrouvent victimes de discrimination sous prétexte que leur nom de famille ou leur prénom ont des connotations étrangères ? Et à l'heure actuelle, aujourd'hui même, n'y a-t-il pas une partie de la société, de la population qui est mise de côté sous prétexte qu'elles n'ont pas ce précieux pass sanitaire ? Des inégalités, je ne vois que ça. Et ça ne vous rappelle rien ? Une partie de la population mise de côté comme ça ? Une époque, oui. Eh bien, pour être tout à fait honnête, non. Je ne pense pas à une époque en particulier. Je pense à toute l'histoire, à notre histoire, puisqu'il n'y a jamais eu un moment dans notre histoire, dans l'histoire de notre civilisation, de notre société, de notre pays, il n'y a jamais eu un moment où l'égalité était là et elle existe. Elle n'existe pas. Et c'est pour ça qu'il est peut-être temps de la mettre en terre, de passer à autre chose, et de réfléchir à l'avenir. Peut-être est-il temps de remplacer cette égalité absente, cette médiocre acceptation de l'autre par l'équité. Parce que l'équité, contrairement à l'égalité, elle,
La seule volonté qu'elle a, c'est d'offrir la même chose à tous les gens, exactement la même chose pour qu'ils puissent être bien dans leur vie et qu'ils puissent s'épanouir. L'équité, c'est quoi? Ce n'est pas donner la même chose à tout le monde. L'équité, c'est simplement la volonté d'écouter, de comprendre l'autre et de lui apporter ce dont il a besoin pour avoir une vie saine et pour être bien. Et c'est ça la différence. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ce que nous allons faire, c'est qu'on va mettre cette égalité de côté et qu'on va prêter de l'attention à l'équité, qu'on va prêter de l'attention à l'autre, qu'on va apprendre à l'écouter, à le comprendre avant toute chose pour savoir ce dont il a besoin. Ouais. Et c'est ce qu'on va faire. Et ici même, dans nos rangs, dans notre cortège, ici même, tous sont les bienvenus, tous, quelle que soit la couleur de peau, quel que soit le sexe, quelles que soient les croyances et les opinions politiques, tant que c'est dans le respect de l'autre, dans l'acceptation, dans la compréhension de l'autre, tous sont acceptés. Gilets jaunes ou non, tous sont acceptés. Nous sommes tous réunis dans le même combat. Et c'est en ce sens que nous allons gagner. Le monde est fait d'un tas de gens qui diffèrent sur tous les plans. Des grands, des maigres, des petits, des gros, des braves gars et des salauds. Il y a des pauvres mecs, des intellos, des mistinguettes et des pas beaux. Et puis des forts et des méchants, qu'ils soient noirs, jaunes, rouges ou blancs. Rousseau avait tort, comme il faut, de dire qu'on essaie tous égaux. Les gènes nous différencient pour prodiguer tard et génie. Entre friqués et vanupiers, zonards, nantis ou PDG, quelle nation, quelle société peut nous prôner l'égalité? Les banquiers sans nul état d'âme, capitalistes la condamnent, et les politiques à leur guise, fourbes, l'insèrent dans leur devise. Les juges, selon les circonstances, varient en fonction leur sentence, afin que pour le même délit, l'égalité soit un déni. Il est jusque dans les cimetières que les hommes se discriminent quand les monuments funéraires expriment l'orgueil et la frime. Une simple pierre tombale, mieux qu'une tombe, un mausolée, ou la fosse commune, propre aux mânes, si est le mieux à nos destinées. Il n'est, c'est vrai, que dans la mort, seul que l'égalité s'acquiert, quand tout au bout de notre sort, chacun de nous n'est que poussière. De l'égalité. Je vais vous parler de la fraternité. Frères de combat, nous sommes nés libres, unis dans le même esprit, animés d'une même force. Plus que jamais, fraternité et solidarité arborent le même sens, la même logique. La richesse du cœur n'est pas celle affichée sur votre compte en banque, mais bien celle que vous saurez offrir spontanément à celui qui a tout perdu en refusant la soumission. Toi, mon frère, privé de travail et sans toi,
Je lis en tes yeux bien de la peine. Je ne suis pas bien riche, mais qu'importe. Je t'ouvre mon cœur et ma maison. Entre et assieds-toi à ma table. Je te donne un bol de soupe et ma couche pour la nuit. Demain, tu continueras ta destinée. N'aie pas peur, garde confiance en l'avenir. Tu trouveras bien quelqu'un sur ton chemin qui te donnera un peu d'humanité. Non, ne me dis pas merci, mais rappelle-toi, si à mon tour j'ai besoin d'aide, alors partage avec moi le seul morceau de pain qu'il te restera et nous deviendrons des frères. Pour le monde de demain, je vois la solidarité du vivant, les humains et les non-humains, car tous sur la même planète, nous sommes le système du vivant. Il ne peut pas être équilibré si l'un vit au profit destructeur de l'autre. Pour prendre le chemin vers la sortie de la crise générale actuelle, il faut penser en termes de réconciliation. Déjà envers soi, comme on en a parlé tout à l'heure, envers autrui, envers notre entourage, nos collègues, mais aussi le respect envers notre environnement, la planète. Et un jour, je le souhaite et je l'espère, la réconciliation avec un gouvernement juste qui sera redevenu démocratique et transparent. On n'en veut pas. Macron, ton pas, on n'en veut pas. Macron, ton pas, on n'en veut pas.
Liberté, liberté de choisir, liberté de soigner, liberté de choisir, liberté de soigner, liberté de choisir, liberté. Non, j'ai pas du lit. J'ai triché, moi, liberté. Mot de la fin, n'oubliez pas nos trois nouvelles valeurs qui sont... Ah non, non, vous n'avez pas écouté, monsieur. Souveraineté, équité, solidarité. À présent, ce sont nos valeurs. Et ces valeurs-là, elles vont avoir du sens. Pas comme celles d'aujourd'hui. Car celles d'aujourd'hui, elles sont mortes. Enterrées, six pieds sous terre, et utilisez le mot que vous voulez, elles n'existent plus. C'est fini. Merci à tous.